Bonjour, donc nous allons voir aujourd'hui comment trouver des suggestions de mots-clés grâce à la barre de recherche de votre navigateur. Donc, bon là moi je suis directement sur la page Google, mais sinon vous pouvez aussi bien taper même dans la barre d'adresse, hein, vous aurez le même résultat. Donc on était parti sur le mot-clé fleuriste. Donc fleuriste, voilà, si je tape fleuriste, vous voyez qu'il y a des suggestions qui vous sont faites. Donc on a vu que fleuriste c'est trop généraliste. Donc on va repartir sur notre exemple de fleuriste à Reims. Et vous voyez que là, donc plusieurs suggestions vous sont faites dès le départ. Et moi, ce dont je voulais vous parler, c'était de l'alphabet. Donc on rajoute par exemple le A. Donc là, vous voyez qu'on a Avenue Blanc, Avenue Brabant, fleuriste à Reims. Bon, ça c'est pas trop intéressant. Ça, je pense que c'est un nom de commerce, donc ça ne nous intéressera pas non plus. Donc là, bah, éventuellement, si notre fleuriste se situe dans une de ces deux rues-là, on pourra travailler ces mots-clés-là. Et donc après, bah, vous faites ainsi de suite avec toutes les lettres de l'alphabet. Hein. Donc là, on passe au B, vous voyez, bah, au lieu d'avoir avenue, on a boulevard. Fleuriste qui s'appelle Brabant. Et donc, bah, vous faites comme ça avec tout l'alphabet. Mais hein, je n'aurais pas dû cliquer, c'est pas grave. On va recommencer. Donc, fleuriste, Reims, on était assez, je crois. Voilà, donc bah, vous avez centre-ville, Châtillon. Et donc là, en fait, si vous faites tout l'alphabet, vous verrez que plein de suggestions sont faites. Vous voyez, par exemple, ouvert le dimanche. Ça peut paraître tout bête, mais on n'y pense pas forcément. Donc ça peut être une bonne façon de trouver ces expressions clés. Qui va permettre surtout de varier son référencement pour ne pas faire de suroptimisation et ne pas être tôt ou tard pénalisé par Google. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.